Bonjour à tous les amis, voilà, j'espère que vous êtes toujours en grande forme, toujours l'envie d'entreprendre, l'envie de créer du business, l'envie d'exploser vos business. Je suis toujours à Sydney à Bondi Beach, la plage devant moi, je vous fais un petit tour rapido. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la nouvelle génération qui arrive, les petits jeunes qui vont arriver sur le business, qui ont démarré le business. Perso, je suis épaté. J'ai envie de vous dire continuez comme ça parce que franchement, vous êtes en train de faire du lourd. La future génération, ça va être quelque chose de lourd, mais là, c'est clair. J'ai 35 ans. Alors pour beaucoup, je suis encore jeune. Malheureusement, dans le business, à 35 ans, je ne suis plus un jeune. Un jeune dans le business, c'est en dessous de 25 ans. J'ai monté ma première boîte à l'âge de 22 ans. À mon époque, 22 ans, c'était vraiment très... Il n'y avait personne. Franchement, c'était rare. 21, 22 ans, c'était vraiment très précoce. Je faisais du e-business, de l'importation en même temps. Voilà, j'étais parmi vraiment peu de personnes, vraiment majoritairement. Génération, tout le monde est encore sur les bancs de cours, de la fac, etc. quoi. Personne pensait à créer un business à 20, 22 ans. Aujourd'hui, je suis épaté. Franchement, je suis épaté. J'ai un jeune de 16 ans qui a monté une boutique en dropshipping, qui fait du business sur Shopify à 16 piges. J'ai un jeune que je coach également, qui a 18 ans, qui fait du dropshipping également. Je bosse avec des personnes qui font le montage de mes vidéos, qui ont en dessous de 20 ans. Un webmaster qui doit avoir 19 ans, il m'a expliqué justement hier ce qui compte faire, etc. Je suis sur le cul, quoi. Les jeunes, la nouvelle génération, ça va faire mal. Ils vont faire mal. Je pense je vais prendre un coup de vieux de bonheur. Donc j'ai intérêt à vraiment atomiser, exploser mon business, parce qu'avec la nouvelle génération qui arrive, ça va être compliqué, quoi. Donc il va falloir que je garde le cap, que je garde mon avance au niveau de l'âge, parce que là ils vont vraiment faire du lourd. Alors c'est génial parce que il y a un phénomène de mode, on va pas se voler la face, il y a un phénomène de mode sur internet avec l'entrepreneuriat. Vous voyez des vidéos YouTube comme je fais d'ailleurs, des comptes Instagram, il y en a malade. Tiralarigo, vous avez des pages Facebook, ça. Je vous parle pas de l'entrepreneuriat, des formations en ligne, etc. Ça, on met ça de côté, c'est pas du business, ça. Je vous parle de personnes qui sont réellement entrepreneurs et qui mettent leur vie de tous les jours, leur business, etc. Et là, de plus en plus, ça donne envie aux jeunes de se lancer. J'ai énormément de personnes qui m'envoient des messages. Je pense à Alexis, je te passe le coucou. Il y en a encore plein d'autres qui me disent, voilà, grâce à tes vidéos, j'ai décidé, je veux reprendre les études, je veux devenir entrepreneur, je veux monter un business, bref. J'ai beaucoup de demandes comme ça. Donc ça, c'est génial. On a un effet positif, c'est bénéfique pour la nouvelle génération. Parce que vous savez, il faut comprendre que les anciens qui regardent mes vidéos ou qui sont à côté de la plaque, comprennent pas qu'il y a un gros marché sur le coaching, sur, j'en ai parlé, de la formation en ligne, sur le e-business. Bon, ils sont déconnectés. Ils ont l'impression que ces vidéos-là servent seulement à faire de la promo, quoi. Ils n'ont pas pigé le... Bon, voilà, c'est une génération d'écart. Ils sont has-been, tout simplement. Moi, je me concentre sur la nouvelle génération, les jeunes qui arrivent. Quand je vois qu'en dessous de 18 ans, on a déjà l'esprit d'entreprendre. Je vous dis honnêtement, quand vous allez mûrir, vous allez arriver vers 25-30 ans, vous allez être des machines de guerre. C'est clair, vous allez faire vraiment du lourd dans le business. Gardez la motivation comme ça, même si le business est un peu compliqué. À vos débuts, si vous n'avez pas les fonds, si vous tentez des choses et que ça ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas, les amis, c'est pas grave. Vous avez déjà osé tenter, vous avez bougé votre cul à votre âge. Il y en a beaucoup qui sont incapables de le faire à 30-40 ans. Vous avez une force en vous. Si ça ne fonctionne pas, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ne vous inquiétez pas. Vous gardez ce mindset là, ça va payer, ça va marcher. Faites-moi confiance. N'écoutez pas les blabla si vous loupez une affaire. Ça va automatiquement, voilà, revenir à vos oreilles. On va vous critiquer ou autre. Laissez tomber. Ces personnes là, c'est du vent. Elles sont à côté de la plaque. Vous valez mieux que ça. Donc vous continuez comme ça à tester, à tenter des choses. Vous allez faire du lourd. Je vois des jeunes en dessous de 20 ans qui font de la crypto-monnaie. Je l'ai dit dans une de mes vidéos récemment, qui ont fait de l'argent. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Franchement, je suis vraiment épaté. Alors, je parle de faire de l'argent, faire du business. Bien sûr qu'il n'y a pas que ça dans la vie pour être heureux, ça il faut être clair. Mais ma chaîne est à destination principalement de la motivation, du business, du mindset, donc j'en parle régulièrement. Et quand je vois cette future génération qui arrive, je suis satisfait, je suis vraiment content. Je vois que nos chaînes, nos vidéos ont de l'utilité chez les jeunes. Franchement, c'est top, faut continuer comme ça. Notre génération va transformer l'entrepreneuriat, c'est clair. En plus, avec tout ce qui est internet, avec la nouvelle technologie, c'est illimité. Le futur nous réserve
des choses illimitées que l'on ne connaît pas encore maintenant, qui vont transformer le business. Donc voilà, c'était une petite capsule rapide. Je suis vraiment épaté par vous, les jeunes. Je suis épaté, honnêtement, vous êtes plus chaud que moi à votre âge. À mon âge, j'avais pas Internet, vous voyez, ça arrivait sur le tard, mais il n'y avait pas de commerce en ligne, il y avait vraiment peu de sites, il n'y avait pas les possibilités de maintenant, c'est clair. On faisait du business, c'était dans notre entourage, des contacts, on avait une petite zone de chalandise. C'était compliqué de faire du business sur du national et encore plus sur de l'international. Aujourd'hui, vous avez Internet, les potos, vous avez eBay, vous avez le dropshipping, vous avez le bon coin, il y a plein de manières de faire du business, quoi. Donc voilà, une fois de plus, bravo, vous m'épatez, vous allez faire mal. C'est marrant parce qu'on m'a toujours dit de moi que j'ai toujours eu la posture du jeune, si vous voulez, par les anciens, tout le monde, voilà, j'étais un peu le gamin dans le business. Et là, voilà, c'est en train de se transformer, je prends de la bouteille, je suis plus un jeune, on me l'a dit plusieurs fois. Ça me motive aussi, franchement, les gars, faut continuer comme ça, parce que même moi, je me dis, la future génération qui arrive, il faut que je garde ma place, il faut que je garde ma position. Ça va être la gombette en compétition dans le business un jour ou l'autre, c'est clair. Et il faut garder un mindset, les amis, compétition ou non, on est confrères, faut s'entraider, on est sur le même bateau, le bateau de la réussite. Faut éviter de faire comme les anciens. Vous savez, les anciens, ils ont toujours été à se bouffer la gueule, critiquer le commerce d'en face, critiquer le commerçant d'une autre ville, etc. Ça, c'est les anciennes méthodes. Vous voyez, ils étaient égoïstes, seuls sur le bateau, ils voulaient réussir seuls. Nous, on est différents, on partage nos idées, on partage nos mindsets. Voilà, on veut faire du lourd, on est sur le même bateau, sur le bateau de la réussite. Donc, il faut continuer avec ce mindset-là, les amis. Voilà, force à vous et n'oubliez pas que Fabien Dessin, ta réussite, tu la mérites. Partagez. C'est ce qui fait vivre la chaîne, les amis. Vous partagez, vous likez, vous commentez. C'est la seule chose que je vous demande en retour. À bientôt, les amis.